In time, you will know the tragic extent of my failings. Comme tout le monde, c'est la vie. Il y a toujours de la merde dans la vie. Let's go, dernier épisode. Non, j'en sais rien en fait. Mais on va faire le... Je crois qu'on va aller faire le ça. Parce que je suis un peu curieux. Bon, ça m'embête, la récompense de la merde, mais... Je suis un peu curieux. Éliminer une horreur traînante. La puissance de la créature accroît terriblement. Récupérer les reliques protectrices dans le corps abandonné, mais méfiez-vous de l'horreur qui rôde. Donc j'imagine que c'est en... Nous sommes la flamme. Ouais, j'imagine que c'est en plusieurs parties, en fait. Bon, bref. Non, pardon, on se remet là. Donc, qui on prend? Qui on prend? Alors, Emerald, Herald, elle a protection 10 de base. Et ça, j'aime bien. Elle est un peu plus avancée en équipement, mais bah, du coup, elle a eu rage, en fait. Donc, c'est de la merde. Parce que précision moins 10, c'est très chiant pour elle. Donc imaginons qu'on prend... Si je me fais chier... Ah là là. Imaginons qu'on prend elle. Après on a Druel qui est très bon. Vitesse, esquive, protection. Après on a Loge, elle a quoi? Elle a Spirit, casse-cou. Ça peut être pas mal. Donc elle, elle se fait mieux soigner et elle a esquive. Lui, il est plus en plus augmenté. Lui, vitesse, esquive, protection. Compétence de soin plus... Ouais. Peut-être ça. Alors, on avait dit un truc comme ça. Après, il faut le docteur, parce que le docteur est vraiment très utile. Lui, il a un peu tout et n'importe quoi, en fait. Donc, c'est pas vraiment... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chasseur. Le hunter. Ou alors, on avant-garde. Parce que moi, si on prend Vanguard par exemple à la place de Druel, du coup on a moins de DPS en fait, en théorie. Alors, on a plus de défense que Vanguard quoi. Mais en DPS, entre le soin et le... Enfin, pardon, entre l'infection et le saignement, c'est le top. Hein, c'est vraiment top. Et après en dégâts purs, on peut prendre Pharal. Pharal est très résistant. En même temps d'être en même temps que de faire des dégâts. Bon, il a rien de spécial, c'est un peu chiant. Après il y a le chasseur qui est bien, le hunter il est sympa. Mais le problème du hunter c'est qu'il est assez fragile. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais bon, peut-être qu'on aura plus de chances de tuer des trucs quand même. On peut faire ça. De toute façon, ça va être un donjon comme un autre. Hein. Enfin, avec un boss de fin, quoi, j'imagine. Mais bon, je sais même pas à quoi il ressemble. Ça, c'est le seul truc que j'ai vraiment rien vu. Enfin, après, honnêtement, il y avait beaucoup de boss que je connaissais pas du tout. Hein, que j'ai fait un peu... genre complètement blind, quoi, j'ai envie de dire. Après, on n'a pas de marque. Bon, après, la marque, c'est pas le plus important. Il y a l'utilisation, il y a ça, il y a le tir de pistage. Tir de pistage, ça peut être intéressant aussi de l'avoir. De sur soi, ça fait dégâts 14, précision 7, crit 5. C'est pas si mal de faire ça. Genre, mettre comme ça. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment utilisé. On va voir.
Bon, ça me paraît ok comme équipe. Ça me paraît ok. Ça a coûté cher. Hein. Ça augmente. Ça a coûté très cher. Hein. Alors. Bon. Ah, il y a ça, on peut pas l'équiper à personne en fait. Ça c'est bête ça. PV max, vitesse, esquive, chance de vertu. Bah du coup ça va sur lui. Fatal. Oui, mais ça c'est pour jouer à l'agonie. J'ai envie de mettre... non, c'est ça. Saignement plus 20%. Saignement plus 20%. Toi, j'ai peur qu'on finisse par te mettre de la merde à chaque fois. Parce qu'on a... C'est vrai que pour le bandit, on n'a pas vraiment de trucs super bien. Je sais pas ce qu'on va combattre. Horreur, bête, j'en sais rien du tout. Dégâts, précision. Dégâts, dégâts et précision. Ça me paraît ok, honnêtement, ces deux trucs. Hein. Ça me paraît très potable. C'est... Bon, c'est un peu bête d'avoir le stylo ancestral machin, de pas pouvoir l'utiliser, quoi. Un peu con. Toi, on avait des trucs intéressants. Bah, tue-toi du coup ça. Et après. Je dirais pas non pour un peu de défense. T'as déjà 25 de stress. Précision 4. Stress moins 10. C'est quoi ça dégage infernant? Ça c'est du mêlée. Esquive plus 5. Restaurant au coup fatal. Comme ça. Parce qu'il faut de la vitesse. Comme ça, tu peux stun. Tout le monde va très vite. Toi, il faut. Du coup, toi, t'as la précision 2. Et ça. Voilà, t'es résistante. Du coup, on n'a pas de tank, en fait. Dans un sens, je suis tellement habitué à elle, j'ai envie de la prendre, quoi. Mais bon, on n'a pas de... Ouais, on n'a pas de vrai tank, en fait. Ça fait peur, non? Je suis désolé, je vais prendre lui. Je vais prendre Param. Pour être sûr. Quand on fera des. Les plus gros DPS, ce sera les dots. Mais on va prendre Param. On va lui mettre ça. Comme ça, il soigne le stress. Alors, fais voir. On a quoi pour lui?
Ah oui, on a ça maintenant. Change de vertu, stress moins 20%. Résistance aux infections, aux saignements. Ok. Ouais, mais c'est un peu bête. Que change de vertu plus 15%, mais stress moins 20. Bon, faudrait stresser la personne en fait pour qu'elle soit utile. Là, on a dégâts. PV max. PV max 10. Je vais mettre autre chose sûrement. Ça, c'est contre les impies. Critique et dégâts, on peut prendre ça. Et il nous faudrait. Je voudrais bien de la protection pour lui. Ah, c'est vrai que ça aussi, c'est contre les horreurs. Comme ça, il a protection et esquive. Plus. Plus ça. Ah, il a esquive. Parce que esquive plus 10, on a rien qui fait esquive plus 10. Hein. Je crois bien. Je crois qu'il n'y a rien qui fait esquive plus 10. Ou alors, on lui met le l'anneau de lumière, là. Solaire. Dégâts et précision. Ça. Non, ça ira comme ça. Bon, ça me paraît potable. Maintenant, c'est l'heure de payer. Ça va coûter cher. De la lumière, le rempart sacré, le manteau malveillant, le héros de la peste, le fardeau, le testament, la grande croisade, conviction de zélote. Un peu, 61 HP, 34, 39. Quoi? Ok, pardon. 33, 10, 46, 58, 39. Ok, nickel. Maintenant, ça. Torche 10. Ça tue. Garder un peu de d'argent parce que j'ai plus rien, putain. J'ai pris ça parce que à chaque fois en fait ça augmente les pourcentages genre d'étourdissement et d'infection, et là maintenant on est à 6 points et celui-là c'est 7 points, 7 dégâts par tour. Et c'est pareil pour lui. Bon, lui il est vachement parce qu'il met du soin et tout ça. Par contre on peut pas, ah si on peut enlever le saignement et tout, donc même le régène va être vachement bien. Ça c'est 5 points, ça c'est 6 points, et ça c'est 9 points de dégâts. Oui, j'avais déjà lu ça. Oui, oui. Hop. Je sais pas ce qu'on va combattre. Devoir vendre quelque chose, je sens. Pas d'argent. Faut que je vende un truc. Bon, bah, ça a l'air d'être un donjon normal en fait.
Pour dormir. Ah oui, mais par contre, j'ai pas. Empêche les embuscades. C'est pour enlever les. Ok. Ouais, on a rien de très intéressant par contre. Ça, il faudrait le prendre. Ouais, ça, il faudrait le prendre. Putain, oh, fait chier. Ouais, c'est reparti. Oui, parce que là, on a vraiment rien de très très intéressant pour le camper. Donc, au moins qu'on ait la protection là. Parce qu'en plus, on a. 6 pieux, 15%. On a Pharam qui est pieux, on a Druel. Le docteur, je crois pas. La peste, je sais pas si la peste il. Je sais pas du tout. C'est une bonne question ça, tu vois. Once again, the stars are right, and the manor sits at the very epicenter of cosmic unrest. Cultists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. D'accord. Ça me met en confiance. Ah, tu veux qu'on campe? Ah, impossible de camper à la pièce de départ, ok. The blood of the fallen flows ever downward along these titan spires. The creature fattens itself on your failures. Ok. Qu'est-ce que c'est quoi ce machin? Adepte euphorique. Ah, euphorique comme le... 48%. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se soignent? Ah, la musique est sympa. Confidence surges as the enemy crumbles. Mais vous servez à quoi là? Pourquoi il y a ça en fait? Prêtre adepte. Oula, truc avec des tentacules. Bon Cthulhu. A decisive pummeling. Alors, attends. Je veux pas faire trop de dégâts. Ah oui, c'est des bêtes horreurs, ok. Bêtes horreurs, oh c'est chaud.
Voilà. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Wow. Ok, les créatures. Ça marche. Ah, donc ça, ça va soigner du coup. Combattants supérieurs. Ah oui, non, c'est pas les mêmes. Au nom du nouveau dieu. Égratignure chancelante. Oui, c'est pas les mêmes du tout, en fait. The light, the promise of safety. Doucement. Attends, on est encore heureux qu'on a pris lui. Hein. The wounds of war can be healed, but never hidden. Eux, ils ont pas d'attaque du coup, ils font que soigner. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ah, il est gardé, ils peuvent garder. Bon, bah on va te tuer. Impie humain. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Très bien. Mais ils ont du saignement à 100% ou quoi? Et c'est un peu abusé là, non? Quel? Their formation is broken. Maintain the offensive. Oh. Oh, joli. Ah, mais du coup, on fait quoi, nous? On campe maintenant ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y a rien, en fait, dans les couloirs. C'est des camps, les salles, c'est des combats. Moi, je dis qu'on campe maintenant. Hein. Je sais pas trop ce qui va se passer. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Okay. La lumière sacrée nous couvre de son voile. Et après, il y a ça, donc protection. Ouais, non, toi t'es pas pieux. Ok, ça marche. On a 5. Soigne une maladie. Qui est malade? Toi, d'ennui. Bah, moi aussi, je suis malade d'ennui, honnêtement. Y a pas de problème. Alors, on a ça. Précision et esquive. Pour lui, oui.
n'a rien à faire. Stress moins 15%. Qui c'est qui a le plus de chances de stresser? Toi t'as 10. Toi t'as 25. Toi aussi t'as 25. Mais bon, à la limite, le stress avec toi, ça peut aller. Il suffit d'éviter les ombres pour rester dans la lumière. Waouh! Putain. Ça, c'est du discours. Il reste plein de sang à répandre aujourd'hui. Ces lieux sont inquiétants, mais il n'y a rien à craindre. Nous n'obtiendrons pas de bois, nous ferions mieux de nous presser. Marche. Je me demande si on peut se faire attaquer pendant qu'on dort ici. Ok, donc il y a des combats en fait. Sorcière supérieure. Ah, elles ont dans la classe, hein. Star is born. Putain. Très bien. Ah, elles sont dégueulasses, quoi. Bien joué. Great is the weapon that cuts on its own. Là, le bruit que ça fait quand il... Oh, ça se passe ok pour le moment. Les mecs sont chauds hein, quand même, hein, mais nous ça va, on a une équipe assez solide et tout ça. Je suis content. C'est le saignement qui est trop souvent en fait. C'est ouf. Elle a le soin en plus, elle. Ouais, très bien. On aurait dû peut-être lui mettre soin 30%, mais bon, j'avais peur que ça finisse mal, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la buffer avec de la défense et tout ça. Lui, il résiste au saignement. Très bien. Ouais. Pour la torche, ça va, parce que quand on fait la protection, il fait genre plus combien? Plus 30? Non. Plus 24. In radiance, may we find victory. Oh, qu'est-ce que tu penses à déjà? Le doigt? Ah, c'est du stress. Tourdissement 73. Qu'on va faire de l'infection et du saignement. Enfin, l'infection, je sais pas. Le saignement, je sais pas.
ça va être chaud. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow. Oh mon dieu. Ah, c'est passé. Très bien. À moi. Continue the onslaught. Destroy them all. Ça passe, c'est bien. Un peu de... Après ça va... Si le malus en fait passe... Après on baisse les... La résistance donc ça va. On peut saigner. Facilement. Enfin on peut déjà saigner facilement je pense. Enfin plus ou moins facilement. Un peu plus de soins. Oh, chou. Palpable fear. A powerful blow. Okay. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Oui, oui, le mec il a dit la phrase, ça y est. Oh putain. J'aurais peut-être pas dû camper au début. Maintenant c'est fait. Je suis sûr que le donjon il doit être pareil partout. Genre tout le temps c'est toujours le même. Ah, c'est stressant. Infection. Comme ça, elles seront mortes au prochain tour. Euphorique. Wherefore, heroism. Du coup, il est boosté. Il est boosté.
Là, tu prends cher enseignement. Oh mon dieu. Ah. Sois pas con. Cher corrompu, pourri l'esprit, lumière, guide-moi. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, fallait pas, putain. Un abruti, quoi. On va être à l'agonie bientôt. Va te faire mettre. Yes. Ah, on va devoir tuer au bout d'un moment parce que là... Fardeau doit-il peser sur moi? Mais pourquoi... J'en ai eu des mecs qui étaient stressés à fond, mais... Bah, laisse-moi jouer au bout d'un moment parce que honnêtement, normalement, eux, ils font pas aussi chier. Hein. Autant chier. Très bien. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Eh ben. Ça commence à être une catastrophe. Pas pouvoir rester très longtemps non plus. C'est quoi ce machin? Tumeur maligne. Mon dieu. J'ai remarqué qu'on les surprend jamais aussi. J'avais pas fait attention à ça. Oula. Bien. Toi 10, tu vas mourir. T'as quoi toi? T'as 19. Si je t'infecte là, de toute façon, tu vas pas mourir maintenant. Ça va rien faire, donc ça sert à rien. Donc autant se concentrer sur quelqu'un d'autre. Là, ils sont résistants au stun maintenant, donc c'est la merde. Is a rarity in the fevered pitch of battle. Ah non.
Non. Très bien. Ça fait deux morts. Oh. Que cool. Joli. Ça fait quoi ça? Là, ça peut pas saigner ça par contre. Mais c'est quoi exactement? On dirait un rocher avec une tumeur dessus ou un truc comme ça. Va te faire mettre, honnêtement. Ok, très bien. Bien joué. Évidemment. Ah, 12. Bien ça. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Ah, attends, ça c'est un long couloir, ça veut dire qu'on est à la fin. Oh putain. Joli, joli. Alors, du coup, on va en profiter. Nickel, très bien. Ouh là là. To a killing blow. Ah ah. Loyauté. Yes. Bien joué, Farab. Ça va peut-être nous sauver la vie. Ok, très bien. Faut qu'elle recule parce qu'il attaque que les deux premiers là. Que des crits, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouh, joli, ça c'était joli. Oh, va te faire bien mettre. Quelle saloperie. Toi, tu prends beaucoup en soins. Ça, c'est parce qu'on t'a mis... Oui, c'est parce que ta spiritualité, c'est vachement bien, en fait. Hein. J'étais pas trop sûr si c'était bien ou pas, mais en fait, si. Je voudrais bien mettre un régène, mais j'ai peur que... On a du... au pire, j'ai un bandage. Ah, ça va. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle.
Seize this momentum. Push on to the task's end. C'est quoi ça? Horreur traînante. Ça y est, on l'a. Prêtre et l'horreur. Ça y est, on l'a. Ok, il faut tuer le prêtre. Enfin, je crois. Super. Ok. Tu as été jugé digne. Complètement, mec. Complètement, gros. Complètement, j'ai envie de te dire. Aïe, aïe, aïe. ...148% de stun, étourdir, sans... Je crois que elle va faire spammer soin. Pour avoir de l'avance en fait sur les dots et tout ce qu'on va... On va se prendre sur la gueule. Ah! Ça c'est pas marrant. Très bien. T'es jugé digne. Oh là là. On va te taper en fait, toi, au saignement là. Je ferai beaucoup plus de dégâts. Ah putain, mais enlève. Oh là là, mais quel con. Pense au bandage, bordel de merde. Ça va me foutre dans la merde. A momentary abatement. Toi tu vas mourir de toute façon. Non, toi tu vas pas mourir. Donc on va t'infecter deux fois. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Fumeur défensive. J'arrive pas à lui faire des dégâts. Mais non, mais va te faire mettre, toi. Non, ça soigne. Précision et critique. Oh mon dieu. Non.
Oh putain. Anger is power. Unleash it. Ouais, mais bon. Pas faire grand chose là. Va te faire, mais. Prends garde. Bon, faut qu'on tue cette merde là. C'est reparti. Oui! Putain, puis en plus elle saigne. Ondulation, c'est reparti. Là on va pas le finir là. Sauve, ce Stina elle va crever, je crois, du dot, je sais plus comment ça marche. Ah, mais va te faire mettre! Sans déconner, quoi. Pourquoi elle et pourquoi toujours un putain de critique, quoi? C'est incroyable! Mais c'est toujours elle qui prend, mais c'est ouf! Toutes les blessures mettent la lumière. Oui, je sais. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais. Va falloir que ça crève cette merde, hein. Mais genre vite.
quickly the tide turns. Okay. Ne fais pas d'action. Putain de ta mère. Ok, c'est bon. Faut le tuer, mais genre vite. T'appelles toujours quelqu'un en fait. Ok, ça va. Laisse-moi faire ça. Sauve. Putain de merde. Laisse-moi jouer, ça fait 3 tours que tu fais, tu me laisses pas jouer. Yes. Fais en sorte que le saignement y passe. Merci. C'est déjà ça. Ok. Infection. Ok. On est à 16, il va mourir. The wounds of war can be healed. Meurs aussi, s'il te plaît. Le truc, il meurt pas. Oh merde. Bon, déjà, on sera plus bougé. Très bien. Confluence of skill and purpose. Oh la vache. This expedition at least promises success. Mon Dieu. Le mec, il est devenu alcoolo après ça. Ah mais tu m'étonnes, hein, quand tu vois des créatures comme ça avec des tentacules partout qui essayent de te bouffer en commençant par le cerveau, ça fait peur. Hein. Non, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je fais hein, dans ma vie aussi. Hein. Mon Dieu. Donc toi t'as récupéré au naturel, ça sert à rien du tout. Oreille non musique. Ouais non ça va, c'est pas trop chiant. Mon Dieu. You have merely glimpsed the edge of the abyss. But it is enough to trigger the cycle of revelation. Now, like me, you will begin to see things as they truly are. Ok, ça veut dire quoi? Nouvelle attribut penchant pour l'alcool. Yes, let's go. Allez, tout le monde boit. Une lune rouge. Ah, tiens.
On a le guerrier là, brise bouclier, et après avec le mod, on a en fait avec le masque d'Anubis dessus, vachement cool. Mais bon, c'est niveau 1 donc on s'en tape. Alors attends, on a récupéré un truc, je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps, c'est ça. Chance de vertu, plus 20%, résistance au coup fatal, plus 8%. Ah c'est pas mal ça, idole tentaculaire de l'ancêtre. Vachement bien ça. Alors, donjon ténébreux. Ah, c'est que dans le donjon ténébreux? Ou alors c'est parce que ça s'appelle comme ça? Révélation. Stress, moins 100%. Dégâts subis, moins 100%. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je sais pas à quoi ça sert le talisman de la flamme. Oh, ils ont zéro stress! What? Ah, ils ont une des décorations maintenant. Mais je peux leur mettre... D'accord. Ça fait un bruit spécial. Faut que j'aille regarder sur internet à quoi ça sert, ça, parce que je comprends pas. Les révélations, c'est quoi les révélations? Donc, ok, en fait, ça va, ils ont été tous soignés de leur... folie. Et ils ont une décoration maintenant, et là il y a une torche. Ah c'est sympa. Donc comme ça on peut voir genre qui a fini le jeu quoi. Ah c'est cool. C'est cool. Pourquoi ça met 21 sur 25? T'es sérieux là? Mais attends, il me manque pas des gens? Les héros qui reviennent après avoir accompli une quête de donjon ténébreux ont entrevu. Selon le mode et les options de jeu sélectionnées, ils refuseront d'y retourner ou subiront du stress en y pénétrant. Attends, qu'est-ce que ça disait? Je refuse de revoir le donjon ténébreux durant cette vie. La géométrie de cet endroit était irréelle. Je ne te revois jamais. Une fois m'a suffi. Activer 3 couronnes de fer. Oh mon dieu. Il faut interrompre la gestation de la créature, accabler ses défenses et allumer les balises. Forcer la chose à se révéler prématurément. D'accord. Mais attends, on n'avait pas un roster complet là. Il me manque pas des persos. What the fuck. Attends, il n'y avait pas un autre icône, là? Je suis sûr qu'il y avait un autre icône. What? Je suis sûr qu'il avait un autre icône, lui, là. Faut que je regarde... Faut que je regarde ça, l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, j'ai l'impression. Je sais pas si j'ai bien fait ou j'ai mal fait en fait. Putain, mais j'étais sûr qu'on était plein. Ça me fait peur. J'ai pas perdu des gens quand même. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ça m'inquiète tout ça. Ça m'inquiète. Bon. Tout ça pour dire. Ah bah tiens, on peut voir combien. Menez à bien votre seconde, troisième et dernier assaut. Ok. Donc on a encore 3 fois. Ah, peut-être que la torche. Révélation. Stress, moins 100%. Révélation, dégâts subis, moins 3. Ah, c'est peut-être quand ils y retournent, en fait. Genre, ils prennent moins de dégâts. J'en sais rien. Faudrait que je regarde ce que c'est. Peut-être ça. J'arrête pas de regarder la liste.
Je suis sûr qu'il avait un autre visage. Bon, par contre, oui, non, ça m'inquiète. J'ai 21 sur 25. Qu'est-ce qui me manque? J'étais certain d'être plein, en fait, depuis le début. Oh, les 4, ils comptent plus. C'est ça, en fait. Putain, ça tue. Donc j'ai 4 nouvelles places. En fait, c'est les 4 là. Vu qu'ils ont ils sont allés dans le château, maintenant ils comptent plus. Ah, sympa. Bon, bah je pensais pas que ça allait arriver quoi. Ah, du coup, on peut les utiliser pour farmer des trucs. Bon, je vais m'arrêter là moi. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 1 heure. Ouais, bah ça sera le premier assaut en fait sur le château. Et on va voir si on peut faire un deuxième assaut sur le château la prochaine fois. Sinon, on fait autre chose. Mais ouais, un assaut, ça m'a suffi. Il faut que je me... Tranquille, que je me la coule douce un peu. Et il faut que je regarde ce que c'est, ça. Talisman de la flamme. Ce que ça fait. Après, si je veux parler de notre équipe... Ça, notre équipe est cool. Je vais être honnête, c'est... C'est quand même bien dur. Je pensais qu'à un moment ça allait être plus facile, mais en fait c'est quand même bien dur. Après, le saignement là et l'infection fonctionne bien. J'ai même envie de dire, alors on pourrait peut-être genre prendre autre chose qu'un flagellant, mais au final il a bien aidé. Le croisé a très bien aidé. Bah, en fait ils ont eu des, on a eu de la chance avec les trucs positifs en fait. Il y a eu le docteur et Faram. Elle non, mais ça va, elle a pas trop foutu la merde. Druel, il a failli foutre la merde, honnêtement. Mais ça allait. Donc ouais. Faut augmenter le saignement pour eux. Genre ça, c'est bien d'avoir mis ça. Chance de saigner. Le docteur est vraiment extrêmement utile, donc l'infection plus 20% et l'étourdissement, là ça vaut vraiment le coup. Et il faudrait même mettre un deuxième pour l'infection. Parce que si l'infection stick pas, c'est catastrophique. C'est simplement catastrophique en fait si ça marche pas, l'infection. Donc ouais. C'est comme ça qu'on a gagné, hein, avec l'infection, hein, surtout. Mais bon, l'équipe est cool. Mais bon, encore heureux qu'on était full... toutes les habilités et l'équipement. Parce que oui, non, en fait, c'est quand même vachement, vachement dur. C'est très dur. Bon, ça, c'est sympa. Hein. Maintenant, on a de la place en plus. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre cela, par exemple. Et aller les utiliser pour farmer des cristaux là. J'ai peut-être envie de le faire. Genre This man understands that adversity and existence are one and the same. Ouais, on pourrait. Après je pourrais en prendre 4. The abyss, one must know it. Ouais, on pourrait les utiliser pour aller farmer dans la ferme. Ah, mais ils comptent même pas, tiens. 21 sur 25. Bon, bah c'est cool. Ah, ça m'inquiète, le machin. Le mec, il était... C'est lui, hein. Lui, il avait un autre visage. Il avait un autre visage. Je suis pas fou. Maintenant, je regarde plein de trucs s'il y a des changements ou pas, mais... Bon. À la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao ciao.